Bonjour. Donc on est de retour cette année avec un grand enthousiasme parce qu'on présente le nouvel outil que l'on a produit dans le cadre du partenariat avec le Collège de la médecine générale. Donc je représente les filières de santé maladies rares et on est très fiers de vous présenter le Codex des maladies rares qui est en fait un outil interactif et qui en fait vous permet de pouvoir rassembler en un seul endroit l'ensemble des ressources maladies rares qui sont disponibles pour le médecin généraliste. Alors comment ça fonctionne? En fait, il y a une petite carte comme ça d'aventure dans laquelle vous allez pouvoir aller vous promener. L'idée, c'est que les maladies rares, c'est pas une jungle, c'est juste une aventure. Et on a essayé de rassembler dans cette carte l'ensemble des problématiques qui se posent au médecin généraliste dans sa pratique. Et en fait, pour chacune des situations qui ont été identifiées, ça renvoie vers l'univers correspondant avec un petit texte à chaque fois qui recontextualise la problématique et qui propose via des liens cliquables toutes les ressources adaptées pour pouvoir répondre à la problématique envisagée. Alors vous imaginez bien que l'outil interactif, c'est pas ce vieux grimoire, mais vous allez flasher ce QR code et vous allez être renvoyé vers la version interactive et moderne de notre codex maladies rares. Donc voilà, avec cet outil, on espère pouvoir continuer à accompagner le médecin généraliste en lui proposant toutes les ressources adéquates pour qu'il accompagne bien son patient atteint de maladies rares. Aujourd'hui, les filières de santé maladies rares sont une des portes d'entrée, aux côtés des acteurs historiques que vous connaissez peut-être comme Orphanet, Maladies rares Infoservice. Il y a plein de ressources sur le terrain, donc il ne faut absolument pas hésiter à toquer à la porte, à rentrer dans cet univers qui ne doit pas vous faire peur du tout.